Salut les amis. Ouais, vous êtes bien sûr Parlons Ballon. On est dans cette émission spéciale avant-match France-Belgique. Vous voyez, bon, toujours les éléments de décor, toujours l'ambiance musicale derrière, les commentaires, les analyses. Petit coucou à tous ceux qui ont suivi les précédentes vidéos depuis les phases finales. L'avant-match France-Argentine et l'avant-match France-Uruguay, où il est vrai, j'avais peut-être fêté la victoire un petit peu trop tôt, voilà, mais bon, il y avait de la chaleur, donc un peu de rosé. Certains ont remarqué mon état d'ébriété légèrement avancé. Mais bon, finalement, ça nous a porté chance, puisqu'on a gagné et pu fêter la victoire hier contre l'Uruguay. Sur les heures de l'apéro à peu près, autour des 18h, on a pu sortir le pastaga, la lisette, les cacahuètes, l'orangina, le rosé, la bière effectivement dans les régions nord de la France, essentiellement en Bretagne ici, et puis dans les régions frontalières de la Belgique, qu'on va rencontrer donc en demi-finale. Mais bon, avant d'attaquer ce gros morceau, cet avant-match France-Belgique, je voulais quand même revenir sur la performance de l'équipe de France hier. Moi, il me semble... j'ai écouté un petit peu les commentaires pour essayer de voir par rapport à ce que nous, on avait dit aussi de notre côté précédemment. Écoutez, je ne suis pas forcément sur la même longueur d'onde que des commentateurs, des potes. Alors, certains, oui. Alors, comme par hasard, des anciens footballeurs, je vois Olivier Rouillet, Johan Micou, même d'autres journalistes sur le plateau, y compris Vincent Dufy, qui ont quand même remarqué la super performance de Corentin Tolisso, que moi je mets homme du match. Alors vous allez me dire, je suis chauvin. Il obtient le coup franc sur le premier but que Griezmann effectue de manière remarquable sur la tête de Varane. Et c'est lui qui fait la passe décisive sur Griezmann. Bon, certes, il y a une erreur du gardien, mais enfin bon, il était présent dans l'impact, il était rayonnant, tout simplement. Moi, j'avais promu un milieu de terrain N'Golo Kanté Polo, c'est ce qu'on a eu, le milieu de terrain a terrassé le milieu adverse uruguayen, qui n'a pas pu mettre son jeu en place, à part peut-être sur le premier quart d'heure, etc. Mais bon, donc voilà, les cures de match ne sont pas tout à fait les mêmes qu'un certain nombre de journalistes. Pour moi, Coco Tolisso, homme du match, et je pense qu'il est là aussi. Il était aussi prudent parce qu'il fallait qu'il prenne de jaune, parce qu'il veut aussi jouer à demi-finale. Il était parfait. L'apport offensif, les deux buts viennent aussi par son intermédiaire. Et le travail collectif au milieu de terrain, il a été exceptionnel. Alors, est-ce que le débat va être retour de Matuidi ou pas? Écoutez, il avait déjà été superbe dans les phases de poule. Je pense à ce match en Bulgarie, des performances remarquées. Là, je pense qu'il a... de toute façon... il va falloir être costaud pour contrecarrer ce milieu de terrain belge. Mais enfin, en tout cas, sur la performance du match, moi, je l'ai trouvé superbe. Avec Umtiti derrière aussi, très bon, avec Varane. La défense, les côtés, rien à redire. Pour l'instant, on a plutôt rencontré des équipes pas très dangereuses, au niveau de offensif. Même l'Argentine, avec un Messi esselé, ça n'a pas vraiment mis en difficulté l'équipe de France, même si on a pris 3 buts. Donc France-Belgique, c'est quand même un classique QE du monde francophone. C'est un peu notre derby, on va dire, notre classique, notre derby. Entre voisins, France-Belgique, c'est quand même une superbe affiche pour ces demi-finales. Alors, je porte le maillot Fortaleza. Fortaleza, c'est le maillot de la France qui s'exporte au Brésil, que la Belgique a perdu. Donc, petit clin d'œil, bien sûr, au Brésil qui, le match d'hier, c'était... s'il faut aussi débriefer ce Brésil-Belgique, ça a été une somme d'individualités aux brésiliennes qui n'ont pas réussi à faire la différence face à un collectif, un football pensé. Donc ce France-Belgique classique, ma foi, il est aussi logique, d'une certaine manière. Le Brésil n'a pas su
n'a pas su contrecarrer cette équipe belge qui est assez ressemblante à la nôtre, mais on va y revenir en détail. Mais pour revenir sur ce match, effectivement, on a sorti Hugo Lloris, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, un peu un axe lyonnais, en tout cas un début d'axe avec Umtiti, Corentin Tolisso au milieu. Puis j'avais ajouté un numéro 10 parce que ça fait partie de l'équipe de France et on voit bien dans les débats que la discussion est là parce que les gens s'interrogent sur le fait que Griezmann était homme du match. Bon, il a été décevant en première mi-temps, il s'est repris en deuxième mi-temps avec un peu plus de liberté, mais enfin bon, voilà, et on demandait à Corentin, certains disaient il n'a pas fait un bon match, il aurait dû faire plus en attaque, mais bon, le problème c'est dans cette contre-deux, effectivement, ce poste de numéro 10 qu'on n'a pas, et forcément nos références footballistiques, elles font appel à notre mémoire, on se souvient des Zidane, des Platini, et puis pour les plus anciens des Copa, et on se dit là, effectivement, il y a quelque chose qui manque, mais bon... Je pense qu'il faut bien réfléchir sur déjà ce que propose Didier. Didier Deschamps, j'entends l'inspiration italienne. Bon, oui, mais moi je trouve qu'il est surtout influencé par comme une forme de nostalgie par cette équipe d'Aimé Jacquet, de France 98. Voilà, on voit des mimétismes, Giroud à la place de Kibarch, des jeunes aussi qui sont là. Bon, Mbappé, moi ça me fait penser à Thierry Henry de l'époque, Thierry Henry. Qui est l'entraîneur des attaquants de la Belgique. Donc ça va être aussi un derby fort de ce côté-là, un classique, enfin voilà, une opposition avec... on voit ce jeu offensif belge exceptionnel jusqu'à un moment donné. Je pense qu'il faut aussi dire les choses et que sur ce terrain-là, l'équipe de France n'est pas aussi bien armée que la Belgique. Moi, le jeu offensif belge hier, c'était un pur régal. J'ai fait bon un poste, bien sûr, l'Argentine a son Messi, le Brésil a son Jésus et la Belgique son Éden. Qui envoie les Diables Rouges au paradis des demi-finales, qui est un cap important. On se souvient tous des grandes demi-finales qu'on a pu perdre contre l'Allemagne aussi en 82, en 86. Et, bon, voilà, qu'on a gagné également aussi pour aller en finale parfois, ou contre le Brésil en 58. Voilà, là c'est un France-Belgique, ça s'annonce de manière assez magnifique, j'allais dire. Après, effectivement, sur l'équipe et comment elle va jouer, moi, je pense qu'au milieu de terrain, la Belgique va nous proposer quelque chose d'assez équivalent. Hein. Bon, Witzel, bien évidemment, le milieu de terrain belge, je trouve qu'ils ont une certaine ressemblance. Alors, ils n'ont pas N'Golo Kanté, l'équivalent d'N'Golo Kanté. Mais enfin, ils proposent quand même quelque chose d'assez costaud au milieu de terrain. Moi, en défense, ils ont l'air aussi costauds, même si Meunier va leur manquer. Donc, ils vont peut-être sortir un peu de système qui changeait un peu, évolué en 4-3-3 avec Meunier très offensif qui est en supplément d'attaquant. Mais enfin, ils ont Mertens sur le banc. Et moi, je vais vous dire, nous, on n'a pas l'équivalent d'Eden Hazard, l'équipe de France. Donc, ce rôle un peu de piston numéro 10 moderne qui vient percuter, football percussion. J'entendais dans les commentaires. La révolution du football pour cette Coupe du Monde, c'était la fin un peu du football de possession, symbolisé par les défaites de l'Allemagne ou de l'Espagne, bien évidemment. Et que dans ce jeu de percussion, l'équipe de France, la Belgique, la Croatie, dans un autre registre, voire même l'Angleterre, représentaient ce qui se fait actuellement au niveau du football. Et au niveau de nous, de l'équipe de France, on a quand même cette difficulté parce que ce football de percussion, on le perçoit mal dans son élaboration. C'est-à-dire que, encore une fois, hier, on marque deux buts, certes, un petit peu sur des coups du sort ou pas des actions construites. Voilà, c'est ça que je veux exprimer. On n'a pas eu beaucoup d'occasions du tout. On n'a pratiquement pas eu d'occases. Donc, je pense que le football offensif français, il est dans cette inspiration un peu 98, sauf qu'en 98, on avait Zidane. Et cette filiation de Deschamps, je la lis à Aimé Jacquet. Je parlais de l'axe lyonnais tout à l'heure, effectivement, l'équipe de France, les éléments un peu de l'histoire du football français font que il y a toujours un peu une ossature club dans les grandes épopées. Je parlais du Grand Reims, du Grand Saint-Etienne dans les 82-86, et même un peu de cette influence du Sud avec en 98-2000, avec Monaco, même l'OM, les anciens de l'OM, un peu de la fin de l'ère Tapie, Deschamps, Desailly, Barthès. Et aussi Zidane entre deux avec l'AS Cannes qui était à l'époque un club phare au niveau de la formation et le natif de Marseille. Et voilà, c'était un peu ça 98. Alors ils étaient partis un peu à l'étranger tous et donc c'est pour ça qu'on a qualifié l'équipe de mercenaires. Mais enfin bon, il y avait quand même quelque chose qui était assez symbolique de l'époque.
Et là, je trouve que finalement, on a beaucoup de joueurs. Si on regarde la liste des joueurs, il y a énormément de jeunes joueurs. Moi, je pense à des Pavard, à des Hernandez, même à des Pogba, voire Griezmann, Dembélé. Tous ces joueurs sont des jeunes joueurs français qui étaient dans les centres de formation, qui sont partis très jeunes à l'étranger, même pas dans les centres de formation français pour certains. Et le centre de formation qui quand même réunit un certain nombre de joueurs, en tout cas voilà, c'est l'Olympique Lyonnais, parce que bon, alors Mbappé joue au PSG, c'est vrai qu'il y a aussi Kimpembe, le PSG a quelques dommages que Rabiot il soit pas présent, on connaît l'histoire, mais enfin bon, le PSG c'est quand même une place forte également au football français, mais voilà, la référence à l'Olympique Lyonnais, c'est qu'aujourd'hui, ben, dans l'effectif, finalement, si vous regardez bien, les joueurs qui ont un peu brillé en Ligue 1, excepté Eden Hazard, qui a été formé à Lille, et ben c'est voilà. Donc il y a besoin, à mon avis, aussi d'une façon de jouer. Donc Aimé Jacquet, c'était aussi première expérience à l'Olympique Lyonnais, donc une façon de jouer. Moi, je vois Griezmann, par exemple, le débat, ça me gêne beaucoup parce que je ne le sens pas capable de mener le jeu de l'équipe. Alors, dans certaines circonstances, quand on mène au score et puis que l'équipe adverse domine, bah, il peut récupérer quelques ballons et voilà. Mais de prendre vraiment le jeu à son compte, c'est voilà. Je pense qu'il a un profil un petit peu plus. C'est un peu un mélange entre Alain Giresse, pour les plus anciens qui s'en connaissent, un numéro 10 qui était très fort à Bordeaux, mais pas forcément. Utilisé de la même manière, avec les mêmes prépondérances en équipe de France, parce que c'était Platini qui faisait le jeu, voire même Jeannot Tigana. Et Bernard Lacombe, hein, Griezmann, c'est un peu le mélange côté Renard des surfaces, côté. Voilà, il a un profil un peu à la Bernard Lacombe. Griezmann, avec voilà, côté un peu aussi dans le jeu collectif, être capable d'amener des choses, mais. Voilà, ce sont des joueurs, c'est comme Valbuena, je veux dire, quand on mettait sur le même plan, ben Valbuena c'était un bon joueur d'appoint, mais ça peut pas être la vedette de l'équipe. En tout cas, sur ce registre-là, je pense que du côté belge, Ed De Bruyne, comment ça dépend comment on prononce, si on est flamand ou wallon, je sais pas, et Eden Hazard, ben effectivement, c'est un tout autre niveau, à mon sens, hein, dans ce jeu, voilà. Donc moi, je verrais quand même Griezmann beaucoup plus haut, je sortirais les Giroud, bon, dans l'équivalent, bien sûr, Lukaku, vous allez me dire, en face, c'est quand même un véritable monstre, dans le championnat anglais, il n'y a pas photo entre les deux joueurs, une est une big star de la première ligue, l'autre est un bon joueur de club. Mais bon, voilà, je pense qu'on est en déficit par rapport aux Belges. Voilà, Thierry Henry en plus qui est là en face voilà, pour mettre en place les choses sur le plan offensif. Voilà, France-Belgique, franchement, il va falloir que des se creusent et essayer de trouver un peu les solutions. Si je fais référence à Aimé Jacquet, c'est aussi parce qu'on sent bien voilà, cette filiation entre Dédé et Aimé. Et voilà, je pense que c'est ça une inspiration principale. Alors après, le côté de ses expériences en Italie, la Juventus, il a aussi la faculté à s'adapter tactiquement à l'adversaire. Là, je pense qu'il va falloir beaucoup réfléchir. Milieu de terrain, bon, le débat, c'est autour de Tolisso. Le maintien de sa confiance, je pense que sur le match qu'il a réalisé, il mérite de poursuivre et de... Voilà, qu'on garde ce milieu de terrain qui aura peut-être un léger avantage pour les Belges. Mais bon, voilà, il va falloir que le combat soit gagné à ce niveau-là. Et après, en attaque, je pense qu'on est en léger déficit. Donc, peut-être revoir un petit peu les choses, intégrer numéro 10. À un moment donné, je sais que je reviens beaucoup sur cet angle de point d'analyse, mais si on y revient si souvent, c'est parce qu'on pense que... Enfin, je pense que c'est, oui, effectivement, une option pour gagner. Je disais souvent que les équipes du monde, qui gagnent la Coupe du Monde, qui terminent, ne sont pas forcément les mêmes qui commencent. Donc, il y a des choses qui se passent, il y a des entraînements, il y a des choses qu'on manque, il y a les formes du moment, il y a des confiances, il y a du coaching aussi, bien sûr. Didier Deschamps va à coacher sur cette première partie de Coupe du Monde. Fait qu'il est rentré, c'est vrai qu'il n'a pas été ultra décisif, il n'a pas marqué ce qui aurait peut-être changé son statut. Donc voilà, je pense que il va falloir être très très fort contre cette Belgique. Qui moi hier hein, franchement m'a enchanté. Bon, c'était pas tout à fait le cas de l'équipe de France, mais il y a quand même du progrès. Et je pense que voilà, tous ceux qui critiquent le fait qu'on puisse émettre un peu des avis divergents de ce que disent certains commentateurs, parce que quand même la plupart, les anciens joueurs, quand je vois, mon avis rejoint souvent ce. Voilà, quand Yohann Mikko avant la Coupe du Monde, il aurait voulu une attaque Fekir, Mbappé, Griezmann.
ça pourrait être mis en place. Alors le problème, c'est que ça n'a pas été travaillé aussi, d'une certaine manière, en situation concrète de match. C'est vrai que par exemple, s'il bouleverse son équipe et il sort Giroud, et il met un autre trio d'attaque, celui voilà, j'avais posté, effectivement, on a dit que, avant le match contre l'Uruguay, cette envie de trouver ces trois joueurs un petit peu animer l'attaque, ça donnera un style de jeu différent, hein, passant par le sol, moins par les ailes, un petit peu plus de percussion dans l'axe. Donc, Johan Vicou était favorable à mon début de la Coupe du Monde à cette option-là. Donc, le problème, ça n'a pas été travaillé, ça n'a pas été essayé. Donc, ça veut dire que si contre la Belgique, à un moment donné, on se trouve dans cette configuration, c'est largement improvisé. Bon, donc forcément, si cette configuration, quelque chose ne fonctionne pas correctement, bah, c'est logique parce que c'est pas quelque... Voilà, j'ai le sentiment que Didier Deschamps a un plan. Il s'y tient, je crois qu'il a quand même des facultés à s'adapter à la marche, mais qu'il reste résolument dans son schéma. Et je pense que contre la Belgique, ça risque de coincer. Voilà, ça risque de coincer face à l'opposition, parce que c'est aussi le football, il faut tenir compte de l'adversaire. Et là, je crois qu'on a vraiment un adversaire redoutable. J'ouvre le débat en toute simplicité, sans polémique, on en reste sur des questions foot. Je sais que derrière, les enjeux sont importants, les statuts aussi de certains joueurs de l'équipe de France sont un peu, c'est des indéboulonnables par rapport à l'image de l'équipe de France et avec les contrats publicitaires, on sait qu'il y a des joueurs, mais on sait aussi que les marges de manœuvre sont possibles pour mettre la meilleure équipe possible. Donc on va espérer. En tout cas, merci pour les vues, merci pour les abonnements aussi. Vous pouvez continuer à vous abonner. On fera rapidement des briefs on reviendra tranquillement sur le reste de l'actualité football. Mais là, on est complètement concentré dans cet avant-match France-Belgique. Allez les Bleus, le petit clin d'œil au Brésil. Il faut venger le Brésil. J'avais porté, vous rappelez-vous, un maillot de l'Atlético Bilbao quand on avait rencontré l'OM à l'époque. Ça nous a porté chance. Bon, voilà. Il ne s'agit pas de tomber non plus dans la superstition. Il faut analyser les choses, les faits, et reconnaître que cette Belgique est très impressionnante, mais qu'il va falloir trouver des solutions pour gagner et atteindre la finale. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. Je vous embrasse les amis, allez les Bleus, à l'équipe de France. Et puis les poissons sont là, tout le monde est prêt pour vivre la suite de ce mondial. Ciao.